Pour soutenir la chaîne, vous pouvez cliquer dans le lien en bas des descriptions de la vidéo et me soutenir sur Utip ou Tip. Bon visionnage! Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Astuces HorseQuest et aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment utiliser l'application SideQuest qui est sortie il n'y a pas longtemps sur votre Quest 1 et 2 pour télécharger, des jeux ou bien en cliquant ici, si je clique là et là, augmenter la résolution de votre Quest ou augmenter ou changer d'autres paramètres de votre Quest 1 et 2 directement via l'application sans passer par le PC. Directement avec votre téléphone. Donc il y a des prérequis. Donc bien évidemment, cette application là est uniquement disponible sur Android et pas sur iPhone. Donc il va falloir peut-être attendre un peu plus longtemps. Je sais pas si elle sera disponible sur Apple, mais pour l'instant c'est que sur Android via le PlayStation Store. Vous allez dans la barre de recherche, vous tapez juste SideQuest et ensuite vous prenez le SideQuest bêta et vous le téléchargez. Donc comme prérequis, c'est là qu'il faut écouter, il faut soit avoir un téléphone avec un port USB type C, je vais vous expliquer après pourquoi. Parce qu'en fait, eux, SideQuest, ils préconisent d'avoir un câble OTG. Donc, il faut que vous ayez un câble OTG, vous allez voir que ça va s'afficher à l'écran. Bien évidemment, je mettrai les liens Amazon pour les personnes qui veulent l'acheter. Mais il y a une petite astuce pour vous faire gagner du temps qu'on va découvrir juste après. Et aussi, il faut que votre téléphone soit compatible OTG. Donc, pour voir si c'est compatible, vous avez juste à tester avec le câble. Mon téléphone est compatible OTG, mais moi, j'ai une astuce qui marche plutôt bien. Pour les téléphones qui ont un port USB-C, ben vous avez vraiment de la chance parce que vous pouvez utiliser le câble d'alimentation de votre Quest 1 ou 2 juste en branchant, par exemple, votre Quest 1 comme ça et juste en débranchant ça. Et vous le mettez là et normalement, votre téléphone va reconnaître votre Quest. Et pareil avec celui du 2. Donc, ça fait gagner du temps et on n'a pas besoin de câble OTG. Donc maintenant que j'ai expliqué les prérequis, on va passer à l'étape de télécharger des jeux ou augmenter la résolution avec les deux méthodes, soit avec un câble ou soit avec la Wi-Fi. C'est parti. Donc je vais prendre mon Quest 2 et le mettre dans ma tête. Donc c'est la même méthode avec le Quest 1 et je vais juste brancher ce câble ici et normalement ça va être reconnu. Donc je branche sur mon téléphone. Hop. Voilà. Ensuite, j'ai un truc qui est tombé. Ensuite, j'ai juste à valider deux fois le message qui apparaît ici. Une fois, deux fois. Et dans mon casque, il y a marqué « Autoriser le débodage USB ». Vous allez voir que ça va s'afficher aussi sur l'écran. Je l'autorise. Et normalement, si je lance un jeu, on va aller ici et on va lancer Pokémon. Ça va lancer le téléchargement. Donc, je vais installer sur mon casque. Et là, je vois que ça fonctionne. Donc, je vais l'annuler. Et on voit que ça fonctionne, on peut télécharger des jeux par câble. Et on va voir maintenant la méthode sans câble. Donc la méthode sans câble, c'est très simple. On va aller ici. Et ensuite, on va cliquer sur Enable Wi-Fi. Donc vous cliquez une fois dessus. Ça va envoyer un message ici que vous allez devoir revalider. Donc là, vous autorisez à le faire par Wi-Fi. Ensuite, dans le casque, vous avez encore autorisé le débodage USB. Sinon, vous cliquez sur « Toujours autorisé sur cet ordinateur » pour que ça n'apparaît plus. Et ensuite, une fois que c'est fait, c'est très simple. On débranche le câble et on revient ici. Et là, vous allez juste cliquer sur « Connected ». Et ça va normalement afficher un message sur votre Quest 2. « Autoriser le débodage USB ». Vous faites « Autoriser ». Et là, normalement, il y a un petit logo apparaît comme quoi que c'est connecté. Et là, vous êtes connecté en Wi-Fi avec l'application SideQuest. Et là, on va refaire un test. Pokémon VR, je clique sur Installer. Et normalement, vous voyez bien que j'ai rien, j'ai pas de câble. Et là, on voit que ça lance Pokémon VR sans câble. Donc ça fonctionne bien, donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Et on peut télécharger n'importe quel jeu sans câble ou avec câble. Comme je vous ai dit, on peut également aller dans Tall et augmenter la résolution ou le CPU sans câble également. Donc c'est vraiment une option très pratique de SideQuest. Par exemple, je vais aller ici et augmenter. On va mettre ça. Et je vois que dans mon casque, ça a bien été augmenté. Voilà, j'ai réussi à augmenter la résolution facilement sans câble. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, si la vidéo vous avez été utile, si ça a bien marché pour vous. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo pour que ma chaîne se développe. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série Astuces sur votre Quest. A plus la team!
Pour retrouver d'autres astuces sur votre Oculus Quest 2, cliquez sur les parts du numérique après vous êtes abonné bien sûr. Rendez-vous dans la Google Playlist et là cliquez sur la playlist astuces Oculus Quest 2. Donc là pour l'instant on retrouve que 4 astuces mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure. A plus la team.